Bonjour, je vous retrouve pour une présentation d'album. Donc, j'ai fait cet album pour ma sœur pour son calendrier de l'Avent. J'ai mis du papier DCP couleur ivoire et j'ai mis aussi un bloc de chez Action. Donc, ces papiers-là, c'est couleur pastel. Donc c'est ce bloc-là. Il m'en reste pas mal. J'ai encore plein de pages dedans. Donc je l'ai fermé avec un ruban. C'est du ruban que j'avais eu, ça doit être à Action. Donc là, j'ai fait plusieurs pochettes, du plus grand au plus petit, et j'ai mis des genres de tags. Donc c'est des grands dies qui viennent de chez Action aussi. J'adore le papier avec les nuages, il est très beau. Donc j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq pochettes. Et là j'en ai mis deux et les deux dernières. Dans les premières j'en ai mis une et les deux dernières j'en ai mis deux. Là j'ai mis un petit truc comme ça. Une perforatrice, ça doit venir de chez Action, c'est les dies. En fait, j'aurais dû mettre le reste, j'ai pas pensé sur le coup, mais bon. Comme là, j'ai déménagé, j'ai pas pu modifier. Non. Là, j'ai mis deux tags et j'ai remis la petite découpe. À l'intérieur, j'ai fait la découpe pour mettre deux tags. Là, une page toute simple. Là, une cascade. Donc, j'ai mis des aimants. J'aurais pu continuer, mais bon. Je pense que c'est suffisant. Là, j'ai remis la découpe. J'ai remis deux tags. Je vous filme pas comme d'habitude parce que je viens de déménager et du coup pour l'instant j'ai pas grand chose pour filmer. Donc là, j'ai pas mis de papier. Je pense que elle mettra des photos, elle verra bien. Au pire, j'ai encore du papier. Là, j'ai fait un petit. Comment dire ça? Bon, vous voyez. Hop, j'ai fait un petit tag. Là. Hop. En fait, là, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre du papier parce que je ne retrouve pas mes règles. Donc, du coup, c'est un peu dur de couper mes papiers. Là, j'ai fait un rabat, deux tags.
Là, j'ai mis deux rabats et hop, j'ai mis deux tags aussi. Bon, il y a beaucoup d'imperfections dans cet album, mais je n'ai pas beaucoup eu le temps de rattraper ces imperfections. D'habitude, j'ai plus de temps, j'ai tout mon matériel. Mais là, j'ai pas encore tout déballé, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.